Blah, 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 blah. Allez, salut infirmière Joël. Voilà, je peux pas passer au-dessus évidemment, sinon ce serait trop facile. Bon, et bien, aventurons-nous dans la grotte. C'est sympa cette petite vision. Cette petite vision qu'on a. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça, de l'eau ? Oh, c'est trop mignon ça ! C'est bien plus mignon que les Nosferapti. Si les Nosferapti avaient tous cette gueule-là, on les attraperait tous. Ils sont un peu trop bas level, tout cela. J'ai pas envie de m'embêter à les faire monter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dégommer. D'ailleurs, il a le bruit d'une Nosferapti, hein, si vous faites bien attention. Alors par contre, je vais ressortir de la grotte. Putain, c'est chiant. Je déteste les grottes pour ça. Il y avait la grotte avec Flash, là. Au départ, la première fois que tu te la tapais, t'avais pas Flash. T'étais dans le noir complet, c'était super casse-couille. J'arrive pas à me rendre compte s'il y a un système de jour-nuit ou si... Ou si, genre, quand t'es dans telle ou telle ville, il fait nuit, dans telle ou telle ville, il fait jour. J'ai l'impression qu'il fait nuit depuis qu'on a commencé le jeu, non? Depuis le début, quoi. Alors, je peux peut-être vous donner l'impression de sauvegarder souvent, mais j'ai tellement l'habitude des jeux qui plantent sur émulateur et tout, que j'ai pas envie de prendre le risque. Attends, oula, qui c'est qui a empoisonné là? J'ai pas fait gaffe. Par contre, j'ai jamais été aussi autant empoisonné que. Autant empoisonné que dans cette version là. Dis donc. T'es sérieux? Je bougeais pas! Au pire, il y a la fuite, ça va pas. Oh, tout XP va la prendre. Alors, tu seras... Bah, du coup, Archaeotoys vient d'arriver. Hop. Tu seras Archaeotoys. Sans déconner. Ouh, déjà? Attendez les gars, on est au niveau, on est même pas, on n'a pas passé la première arène, on a déjà les Super Balls. Gauche ou droite? Droite. Nye. Tourne la tête, Papitou. Oui 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 oui. Ah. Ouf. Sorti. Tu vas m'attaquer toi? Non, ça va. Dites-moi, mais c'est bien cosy cette petite ville. Salut, salut. Vous avez des Pokécentres chez vous? Ça c'est le métro, ok. Ouh. Ok, maintenant qu'on est dans l'autre ville. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver le Pokécentre qui est dans cette ville et on va retourner dans la grotte pour buter les dresseurs de la grotte pour faire un peu d'XP. Ça, c'est...
pour radio déjà. Ok. J'aime bien le fait que quand tu te rapproches des éléments d'eau et tout, ça, y a un son associé. Enfin, je trouve ça sympa d'arriver près d'une petite fontaine, ça fait de la musique et tout. Et un son associé. Ça, c'est un Pokéshop. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est le petit toit rouge qui est là. Bonjour. Du coup, on va remettre nos Pokémon dans le bon ordre. Voilà. Et on va retourner à la grotte. C'était par là? Non? Non, c'était pas. Non, c'était pas par là, hein? Salut! Oui, j'ai fait exprès. Fly to the sky! Vole jusqu'au ciel, mon magnifique Pokémon oiseau! D'accord. Ornithologue Brent veut se battre. D'accord, donc déjà on tape sur du niveau 10. Le plumage sur le cou là. Bon, Archaeotoys, je n'ai aucune. Franchement, excuse-moi, mais j'ai aucun espoir quant à l'issue de ce combat. Voilà. Ah, mais tu l'as pas fait pendant que je dormais? Putain, t'es vraiment une saloperie. Tu t'es fait rouler dessus, Archaeotoys! Non. Non. Oui! Alors, bonjour, monsieur! On peut se fight? Alors, cette arène, enfin s'il y en a une. Parce que là, c'est des maisons, des maisons, des maisons. Bon, c'est... bon allez, on va aller en parler, allez, c'est parti. C'est quoi tout ce bordel autour du métro? Ah, il n'est pas encore ouvert, d'accord. C'est un joli nom que tu as trouvé là. Non. Si tu veux donner un nouveau nom, donne un nouveau nom à Non Désir. Voilà. Merci, monsieur. Après tout, il n'y a peut-être pas de... peut-être pas d'arène dans cette ville. Ah, si. Bonjour. Excuse-moi, est-ce que tu es peut-être là pour voir Maria? Oh, merde. Tu dois être comme moi. Je suis son plus grand fan. Mais elle est rarement à l'arène. Tu la trouveras sans doute à la maison.
Je ne peux pas y aller parce que... Parce que... Mais tu peux toujours! Tiens, prends ça. Il vient de me donner la clé de la maison de Maria. Garde-la, j'ai fait des copies. Stalker, chelou! Sa maison est au sud. Est au sud de la ville. Très bien. Mais t'es bizarre! Je vais pas rentrer chez la dame avec ses clés et tout. Genre, salut, on se connaît pas, j'ai les clés de chez toi. Ah mon dieu, mais quelle horreur! Je refuse, je peux pas faire ça, c'est dégueulasse. Ouais. Désolé. Oui. Mais pourquoi j'ai fait ça? Non, je suis pas un fan. Oui. Je suis désolée, je voulais pas rentrer chez toi comme ça, c'est très bizarre. Ah le malaise. Ah, tiens, oui c'est ça, du fouine, hein. Bon bah tant qu'à être chez elle, autant... Mais j'aurais tellement honte à sa place. Mais je saurais tellement pas où me mettre. Je l'ai fait uniquement parce que fallait faire avancer l'histoire. Hein. Dans la vraie vie, je rentre pas chez les gens avec leurs clés de maison et tout, tranquille. Ok, weird. Écoute, je te l'ai déjà dit avant. Je ne suis plus le champion, ok? J'ai pris ma retraite. Je suis juste un entraîneur maintenant. Mais Maria, tu étais la meilleure dresseuse de Tandor. Tellement talentueuse et jeune et belle. Pourquoi tu voudrais jeter tout ça? Tes fans t'aiment toujours. Je ne suis pas intéressée. Je n'ai pas envie d'être. Je n'ai pas envie d'être célèbre. Plus maintenant. Je veux juste vivre une vie normale. Run my gym, ok. Je sais pas si ça veut dire faire de la gym, mais on va dire que... Et ne plus avoir à m'occuper de mecs creepy comme toi. Sérieusement, c'est pas normal de faire des copies des clés de maison des gens. Je vais appeler la police. Ah, les rangers. Ok, la police. Non, s'il te plaît, je te laisserai tranquille, je promets. Ok. Tu n'as plus le droit de venir ici. Donc dégage. Me fais pas le redire. Je suis désolée que tu aies eu à voir ça. Normalement, je suis pas quelqu'un qui se met en colère, tu sais. Mais une fois que tu gagnes le championship de Tandor, tu ne peux jamais t'en échapper. Tout le monde connaît ton nom. Parfois, ça me donne envie de fuguer de la ville. Mais après, qui s'occuperait de la reine? En parlant de ça, je sais que t'es là pour le badge normal. Je t'ai fait suffisamment attendre. Maintenant, viens me rejoindre à l'intérieur. Et montre-moi tes talents. T'es vachement gentil pour quelqu'un qui vient de se faire briquer sa maison quand même. Hein.